Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, en cette date aujourd'hui du vendredi 6, hein, je crois, vendredi 6 avril. Voilà, vendredi 6 avril 2018. Là, je suis en train de partir sur Dabou. Je suis en train de partir à Dabou pour une action prophétique dans un village pour détruire les hôtels sataniques. Ben, c'est comme ça, la grâce de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc je tenais à m'adresser à tous les fils spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Das Sylvain en ligne. Je tenais à dire, je reviens comme ça de Lomé. Le Lomé, par la grâce de Dieu, dont je suis en train de partir à Dabou pour une action prophétique dans un village. Merci déjà pour les fils spirituels du prophète Crasso à Bidjan. Merci pour la page Facebook. Et ça, c'est déjà très important. Je tenais à dire aussi merci à ceux qui ont fait déjà la page Facebook d'Italie. Voilà, d'Italie. Dès ce soir, vous aurez la page Facebook de France, les enfants du prophète Joël Crasso, la page Facebook de France. Vous êtes encore ce soir, peut-être, par la grâce de Dieu. Ben vient de finir pour celui de la page des États-Unis. Des États-Unis. Et il faut aussi que ceux de l'Allemagne se mettent aussi dedans, qu'il y ait la page Facebook des enfants spirituels de l'Allemagne, Facebook de la page des enfants spirituels de la Suisse, de la Belgique, de l'Espagne. Et rentrer en contact avec le secrétariat de Divo pour qu'on puisse être administrateur, voilà, dans ces différentes pages Facebook. Ça, c'est vraiment très important pour les différentes communications, et parce que c'est important, si on a les différentes pages Facebook, on aura l'occasion de communiquer. Voilà, je tenais à dire, je prends mon vol demain pour être à Paris dimanche. Voilà, donc voilà, que le nom de Dieu soit béni. On devait avoir une rencontre aujourd'hui, normalement ceux de d'Abidjan, mais finalement on a eu un souci. Il fallait avoir de l'argent pour prendre une salle, donc on a eu un problème de salle, mais ça fait rien, c'est une partie remise. Justement après, ça dit dès mon voyage, le pasteur Philippe va organiser, voilà, avec ma caution bien sûr, organiser un programme avec les enfants du spirituel qui sont à Abidjan. Voilà, nous allons organiser ça pour que tous les enfants spirituels à Abidjan puissent se rassembler dans une salle. Et moi, déjà à distance avec le pasteur Philippe, nous allons, n'est-ce pas, prier pour vous. L'objectif, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, de connaître chez vous et de vous suivre, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et permettre au Seigneur, au travers de nos prières, de pouvoir décanter votre situation. Et ça, c'est vraiment très important. C'est très important qu'au travers de nos prières, que le Seigneur puisse vraiment vous aider. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours besoin d'un guide, on a toujours besoin d'un père, on a toujours besoin d'un conseiller spirituel. Et justement, après Abidjan, les gens ils rentrent, ils ne sont plus suivis après. Et donc, justement, c'est pour régler cette injustice-là. Comme ça, la connexion. Justice-là. Donc, il n'y aura pas de prière ce soir sur Abidjan. Voilà, il n'y aura pas de prière ce soir sur Abidjan parce que j'ai un souci. Il faut avoir la salle et il faut avoir les moyens. J'ai pas les moyens actuellement de prendre une salle. Voilà, je suis désolé, j'ai pas de moyens. Donc c'est une partie remise. On va essayer de voir celui qui est le responsable, Da Silva. Voilà, Da Silva, Hector, et ensemble régler ce problème là avec le pasteur Philippe, qui viendra, n'est-ce pas, organiser un programme sur Abidjan, bien sûr avec ma caution. Voilà. Donc comme je disais, demain je pars, je prends mon vol pour être sur Paris. Je prends mon vol demain et je serai à Paris dimanche pour le programme, n'est-ce pas, du 27 au 28 à Vitrine Sicène. Je tenais à dire merci à tous ceux qui sont en train d'organiser, et merci aussi à Maman Bessora, cette femme, vraiment, que Dieu te bénisse. Merci d'organiser, merci. Merci pour tous ceux qui l'entourent, merci pour tous ceux qui sont en train de nous aider à organiser ce programme. Et nous serons aussi, n'est-ce pas, en Suisse, en Italie, en Allemagne. Ceux de l'Allemagne sont déjà au point, ils sont déjà là. Et nous serons aussi, n'est-ce pas,
en Belgique. Voilà, nous aurons l'occasion de donner les différentes dates par la grâce de Dieu. Mais tous ces groupes-là doivent être forcément à Paris du 26 au 28 parce qu'il y aura des prières de consécration et on aura l'occasion aussi de faire des baptêmes, n'est-ce pas? Voilà, par la grâce de Dieu, on allons prier aussi pour le baptême du Saint-Esprit pour que les gens soient visités par le Saint-Esprit parce que c'est vraiment très important d'être, n'est-ce pas, d'avoir le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, n'est-ce pas, on a le discernement de, n'est-ce pas, des opportunités. Le Saint-Esprit nous éclaire si beaucoup de choses. Donc, je tenais à dire, donner de mes nouvelles. C'est vrai que je suis arrivé de Lomé hier. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc, voici de mes nouvelles, tout va bien. Comme les gens attendaient le programme de ce soir, ça n'aura pas lieu par la grâce de Dieu. Et c'est reporté une date ultérieure. Et n'est-ce pas, on vous donnera la date. Et ça, c'est vraiment important qu'on ait l'occasion de vous rassembler en salle, prier pour vous et vous suivre à domicile, aller consacrer vos maisons et vous suivre par la grâce de Dieu. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés. Je reprends encore sans toutefois me répéter. Et il faut que tous ceux qui sont dans les différents groupes, les États-Unis, la page Facebook des enfants spirituels du prophète Christ aux États-Unis, la page Facebook d'Italie, c'est déjà fait. La page Facebook d'Abidjan, c'est déjà fait. La page Facebook de la Suisse, ça doit être fait. Ce soir, vous aurez la page Facebook des enfants spirituels du prophète Crasso en France. Et il faut aussi une page Facebook des enfants spirituels du prophète Crasso en Belgique. Une page Facebook du prophète Crasso en Allemagne.